Parce qu'il n'y a pas de police forte sans justice ferme, avec Valérie Pécresse, nous lancerons un grand plan ORSEC pour la justice afin de juger vite et bien. Nous investirons 9 milliards d'euros dans nos tribunaux pour recruter 16 000 nouveaux agents, dont 3 000 juges, 3 000 greffiers et 2 000 procureurs. Nous réduirons le délai de jugement des délits du quotidien à moins de 6 mois. Nous développerons les travaux d'intérêt général dans les organismes publics avec un principe simple, tu casses, tu répares immédiatement. Nous imposerons la comparution immédiate systématique pour les flagrants délits. Nous instaurerons des circonstances aggravantes pour les auteurs de crimes commis dans l'un des 62 quartiers dits de « reconquête républicaine », comme c'est déjà le cas dans les écoles ou les transports en commun, pour renforcer les sanctions et en finir avec l'impunité et l'impuissance publique. Nous créerons une juridiction spécifique pour les victimes de violences conjugales qui sera capable d'instruire en 72 heures et qui rendra des ordonnances de protection en 6 jours. Nous protégerons nos jeunes face au harcèlement en ligne en créant un cyberparquet chargé de combattre la criminalité sur Internet. Nous construirons 20 000 places de prison qu'Emmanuel Macron n'a jamais eu le courage de construire, malgré sa promesse de 2017. Pour que les peines d'emprisonnement soient exécutées sans attendre que ces nouvelles places voient le jour, nous transformerons des bâtiments désaffectés en centres de détention provisoires. Nous doublerons le nombre de centres éducatifs fermés pour mineurs. Nous mettrons fin à l'automaticité des aménagements de peine qui ne seront accordés qu'à ceux qui présenteront un comportement irréprochable.